Bonjour à tous. Donc, comme vous venez de le voir, on a été invité à un concert ici à Imeji. C'était incroyable. Franchement, c'était fou. Ils avaient tout mis en place pour nous faire plaisir. Ils s'étaient habillés en bleu, blanc, rouge. Ils ont interprété la Marseillaise. Ils ont chanté des chansons en français. Ils avaient décoré la salle. Enfin, tout était grandiose. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu vivre ça et de pouvoir vous le partager aujourd'hui parce que c'est fou de se rendre compte à quel point ils sont bienveillants et attentionnés envers nous. Ils ont tout mis en place pour que notre séjour se passe pour le mieux et c'est le cas. Malgré la crise sanitaire, franchement, on n'a pas vu le temps passer. Le fait de pas pouvoir sortir de l'hôtel ni d'aller à l'extérieur, bah, ça a été quand même finalement. On n'a pas vraiment eu le temps de s'en rendre compte puisqu'on avait pas mal de choses à faire. Et on a donc été à un concert, on a pu aller voir le château d'Imeji, donc ils nous ont fait faire le tour en bus, donc je vais vous montrer la vidéo, et tout était réuni pour qu'on passe à une super semaine, et donc c'est top, on a vraiment vécu une aventure de folie, et elle s'arrête pas là, on part demain à Tokyo, donc on part en TGV, on a pour 3 heures à peu près de trajet, et on arrivera à Tokyo pendant midi et ensuite le groupe se sépare en deux. Une partie, donc les athlètes qui vont combattre, iront au village olympique et nous on sera logés dans un hôtel avec quelques entraîneurs. Donc je vous donnerai des nouvelles de tout ça bien évidemment. Et puis je vous remercie encore une fois de regarder les vidéos et ça me fait plaisir que le contenu vous intéresse parce que c'est important de partager ce moment avec vous et de vous montrer un petit peu comment ça se passe. On parle énormément de la crise sanitaire, du Covid, tout ça, et on en a un peu plein la tête, et j'espère que je peux vous faire voyager d'une manière différente. Donc je vous remercie vraiment d'être présent et je vous dis à très vite. Donc voilà, j'espère que ce moment de partage vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a énormément touchés. Ça a fait du bien aussi aux athlètes de pouvoir se changer un petit peu les idées et voir autre chose et pas uniquement la compétition. Et je vous donne rendez-vous à Tokyo. Je vous rappelle qu'on part demain. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.